Il y a un tracteur à la ferme du Pré Charmant qui adore travailler et jouer. Quand Flore la fermière a un souci ou quelque chose à faire, sur Tracteur Tom elle peut compter. C'est Tracteur Tom, 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 Tom. C'est Tracteur Tom qu'on aime tous. Oui c'est toi Tom, 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 ouah, qui nous rend la vie bien plus douce. C'est encore une belle journée qui s'annonce à la ferme du Pré Charmant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail à faire. Tom et Philou s'apprêtent à récolter les carottes. Mais Flore semble avoir la tête tout à fait ailleurs. C'est le bal des fermiers ce soir et Max va m'emmener danser. Max danse à peu près aussi bien qu'un poteau de clôture. Dans ce cas-là, je demanderai à Tom s'il veut bien être mon cavalier. Je te jure que c'est vrai, Flore. Max ne sait absolument pas danser. Et comment est-ce que tu sais ça, toi? C'est peut-être un excellent danseur. Je suis désolée de te décevoir, mais moi, je l'ai vu s'entraîner. Max, lui aussi, est impatient d'aller au bal. Je suis prêt, Greg. Allume la radio sur une station de rock et trouve-moi un truc à la pêche. D'accord. Bon. Ça te plaît, ça? C'est parfait. Qu'est-ce que t'en dis? Regarde-moi ça. Dis-moi que je ne bouge pas bien, peut-être. Ah ouais, c'est bon, Max. Mais j'aime bien quand tu sautes en l'air aussi. Comme ça? Ah oui, alors là, tu m'impressionnes. Tu vois ce que je voulais dire? C'est pas drôle, Laura. C'est avec lui que je dois danser ce soir au bal. Hey, salut, Flore. Je m'entraîne pour le bal de ce soir. C'est bien, Max. Mais j'espère que tu connais des danses plus convenables. Plus convenables? C'est parfaitement convenable comme danse. Vas-y, Greg. Tom et Philou viennent apporter les cajots dans le champ de carottes. On va répartir les cajots dans les rangs. Max et Flore pourront les remplir facilement au fur et à mesure. C'est parti, mon kiki! Désolée, Tom. Il faut vraiment qu'on ramasse ces carottes aujourd'hui pour le marché. Mais j'ai un problème encore plus urgent. Il faut que j'apprenne à danser à Max. Bah, ne l'écoutez pas. Je suis parfaitement capable de danser. Tiens, je vais vous faire voir. Vas-y, Greg. Max, on n'a vraiment pas de temps à perdre. Tu as beaucoup de pas à apprendre. Je suis désolé, Tom. Je te montrerai plus tard. Maintenant qu'on a mis les cajots dans les rangs, on se retrouve sans personne pour ramasser les carottes. Et pourtant, Flore en a besoin. Si personne ne peut s'en occuper, il faut qu'on s'en charge nous-mêmes. Mais comment? J'ai ma fourche. C'est l'idéal pour soulever des objets. Mais la fourche de Tom est bien trop large pour arracher des carottes. Oh, ça ne marche pas. Les carottes sont trop petites. Elles restent enfouies dans le sol. Alors il faut enlever la terre pour les sortir. Philou essaie de déterrer les carottes en faisant des dérapages. Mais ça non plus, ça ne marche pas. Soudain, Tom a une idée. J'ai l'outil qu'il nous faut dans la grange. Allez, Caramel, sors de là et tout de suite! Caramel est très vilain. Il est entré dans le jardin de Flore et il s'est attaqué aux plantes et aux fleurs et il a essayé d'en manger. Tom, tu sais où je peux trouver Flore? Max, mais fais attention. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Flore voudrait enseigner la valse à Max. Le pauvre Max n'a pas l'air très doué. Laisse-lui le temps d'apprendre, Laura. C'est la première fois qu'il fait ça.
Debout, Max. Essayons encore une fois. Ce n'est pas si difficile de danser la valse. Laisse-toi guider. 1, 2, 3. Ouch. Oh. Oh, mais Fleur, j'ai seulement deux jambes. Alors pourquoi comptes-tu jusqu'à 3? Tom essaie de déterrer les carottes avec sa pelleteuse. Mais la pelleteuse ne convient pas non plus. Ma pelleteuse prend trop de terre en même temps. Je crois qu'on va être obligé d'attendre que Max ait appris à danser la valse. Non, je n'ai pas l'intention d'abandonner. Je vais bien trouver quelque chose. Flore et Max ne peuvent pas s'en occuper. Et toi, sais-tu qui pourrait m'aider à ramasser les carottes? Oh! Non, ni Greg, ni Laura. Paquita et Caramel, j'ai du travail pour vous deux. Allons-y! Ah, je suis désolée, Flore. Je ne fais pas exprès de te marcher sur les pieds. Ce n'est pas grave, Max. Je sais bien que tu ne le fais pas exprès, mais j'ai besoin de mes pieds pour danser ce soir. Alors, jusqu'à ce que tu saches valser un peu mieux, je te propose de t'entraîner avec quelqu'un d'autre. Mais enfin, Flore, tu veux que je m'entraîne à danser la valse avec un épouvantail? Bon, alors voilà. Ce que je veux, c'est que vous nous aidiez à ramasser les carottes et vous vous contentez de les arracher du sol avec les dents. C'est compris? Génial, Tom! Ça marche, ils arrachent les carottes! Ils les mangent! Non, non, ça ne va pas du tout! Il faut que vous mettiez les carottes dans les cageots! Il ne faut pas les manger! Finalement, c'était peut-être pas une si bonne idée de se faire aider par Paquita et Caramel! Dans la cour, Max continue de danser avec l'épouvantail. 1, 2, 3. Voilà, Max! Oui, ça vient! Essaie de tourner! 1, 2, 3. Tom a passé un marché avec Paquita et Caramel. Chaque fois qu'ils ramassent 10 carottes, ils peuvent en manger une. Oui, c'est ça. 10 dans le cageot et une dans la bouche. C'est ça le marché. Finalement, c'était pas une si mauvaise idée de se faire aider par Paquita et Caramel. Si les chevaux peuvent nous aider, les autres animaux peuvent s'y mettre aussi. Max commence à en avoir un peu assez de la valse. Ah, je ne serais jamais doué pour danser sur ce genre de musique. Et si toi, tu apprenais mon style de danse? Non, Max, pas avant que toi, tu saches valser correctement. Oh! Je crois que l'épouvantail peut aller se reposer. Prends-moi la main et je te promets que je ne te laisserai pas tomber dans la mare. Tom a mis tous les animaux au travail dans le champ de carottes. Tu as vraiment une idée géniale, Tom. Je ne savais pas que les animaux de la ferme pouvaient nous rendre tant de services. Quelle n'est pas la surprise de Flore quand elle voit Tom rentrer des champs, sa remorque pleine de carottes. Waouh ! Comment as-tu réussi ça, Tom ? J'ai reçu un petit coup de main de mes amis. Oh, Tom, je me demande bien ce qu'on deviendrait sans toi. Tu es si débrouillard et Max se débrouille bien lui aussi, regarde. 1, 2, 3. Oh, Max, vite, il faut qu'on se dépêche. Il faut qu'on parte maintenant, sinon le bal va commencer sans nous. Au revoir, amusez-vous bien et dansez bien surtout. Au revoir, Flore, au revoir, Max. Ciao.
En voyant Flore et Max partir pour le grand bal des fermiers, Tom a soudain une idée. Pour remercier les animaux de leur aide, Tom a organisé un grand bal à la ferme. C'est de la musique pour les vieux, ça! C'est Tractor Tom, Tom, Tom.